C'est l'histoire d'une fille plus trop joyeuse, sourire aux lèvres, mais si malheureuse, enfermée dans sa bulle, sans jamais qu'on entende. Elle écrivait des lettres, isolée dans sa chambre. Elle y disait que personne ne l'aimait, toujours critiquée, toujours rejetée. Elle ne sait pas quoi faire, elle garde tout pour elle, personne avec qui parler. Elle avançait toute seule, ne dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle avançait toute seule, ne dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle a tenté de se faire aimer. Moi je ne comprends pas cette mentalité. Toute l'histoire, elle garde encore espoir. Est-ce qu'on aurait pu sourire et sortir de ce cauchemar? Elle s'isole pour pleurer. Elle se demande pourquoi elle voit pas de sang à hisser. Elle se demande pour un jour se faire aimer. Pour que quelqu'un lui dise l'armée vienne à réconfort. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Aujourd'hui, elle a mis fin à sa vie. Personne ne l'a aidée, personne ne l'a écoutée. Elle s'est envolée à jamais. Elle s'est envolée à jamais. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi. Elle avançait toute seule, n'en dit rien à personne. Les gens lui faisaient du mal, sans même savoir pourquoi.